L'idée que Azov, ce sont des fascistes, des néo-nazis, voire, comme le disait Newsweek, qu'ils emploient les méthodes de Daesh, ça, ça se trouvait encore en partie en 2014, Newsweek, en septembre. Les nationalistes ukrainiens commettent des crimes dans le style de Daesh, le style d'ISIS. Ici, dans Foreign Policy, se préparant à la guerre avec les défenseurs de la liberté fascistes ukrainiens. Dans Foreign Policy, qui est la grande revue de théorie et d'analyse stratégique. Donc, c'est une incroyable amnésie que les médias occidentaux, maintenant, oublient ce qu'ils disaient hier. Il y a quand même un vrai problème, et il y a aussi une manière d'interpeller les journalistes sur pourquoi vous dites le contraire de ce que vous disiez alors et pourquoi vous ne voulez pas en parler avec le public.